wanna shine and I gotta let it show. Show up on the scene, walk right through the door. Got a nigga on repeat, it's my double up flow. Vibrate the whole building. Eh bien, salut à tous les amis, c'est Virtue, j'espère vraiment que vous avez la pêche. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 PC pour vous présenter un mode qui est vraiment hallucinant et qui va limite vous faire perdre la tête, car vous allez tout simplement imaginer cette chose sur GTA Online. Alors de toute manière, vous l'avez vu au titre de la vidéo, je vais vous montrer un mode qui a été créé par une personne, donc je mettrai le lien dans la description, qui nous permet d'avoir une tornade sur GTA 5, une tornade qui est bel et bien active, c'est-à-dire que dès qu'elle va toucher une voiture ou quoi que ce soit, bah celle-ci va s'envoler, donc bien évidemment les bâtiments ne vont pas se détruire, ils ne vont pas s'envoler, etc. Mais je trouve ça assez bien fait, et vous allez voir, attendez, on va activer le machin, hop là, et regardez-moi cette tornade. Alors c'est vrai que vu comme ça, elle est pas trop réaliste, on dirait plus que c'est une grosse cheminée de fumée, mais bon, ça comme ça permet quand même à la tornade, comme vous pouvez le voir, de bouger toute seule et d'emporter tous les véhicules sur son passage. Donc eh bien tous les véhicules de civils qui sont en train de s'envoler, qui vont vraiment de partout. Regardez là, le camion il va s'éclater. Oh là là, le camion il s'est éclaté la gueule sur le bâtiment. Oh, la tornade, elle est vraiment, vraiment magnifique. C'est hallucinant de voir un mode comme ça sur GTA 5. Jamais on n'aurait pu y penser. C'est vrai qu'à un certain moment, il y avait quelques rumeurs qui parlaient de pouvoir voir arriver des sortes de catastrophes naturelles sur GTA 5, des tsunamis, des avalanches, etc. Mais bon, c'est resté à l'état de rumeur. Nous n'avons pas eu plus d'informations, pas plus de confirmations de la part de Rockstar. Mais bon, là, de voir ça, bah, on peut se dire que c'est possible. Si sur GTA 5 PC, des modeurs ont la possibilité de le faire, on peut quand même se dire que Rockstar ont plus que les moyens et ont plus que la force de le créer. De voir une tornade un peu mieux faite arriver serait vraiment, mais vraiment le kiff. Regardez, il y a même tous les objets qui sont en train de s'envoler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rentrer à l'intérieur. Attendez, je vais juste activer et faire spawn un hélicoptère, parce que là, la tornade est en train de s'envoler trop loin pour moi. On va prendre un busard. Hop là. On va essayer d'aller au centre de la tornade. Tiens, on va... Oh, le camion qui est venu s'écraser ici. On va essayer de rentrer à l'intérieur sans se prendre de véhicule. Oh, et qui va pas, elle va passer sur l'autoroute et tout là. Oh là là. Oh là là. Oh là là, on va éviter. On va essayer de rentrer à l'intérieur pour voir ce que ça donne. Ah, je me fais emporter. Même moi, je me fais emporter par la tornade. Il n'y a pas moyen de pouvoir rentrer à l'intérieur. Attendez, on va essayer encore une nouvelle fois. On va essayer de rentrer à l'intérieur pour voir ce que ça peut donner quand même. On voudrait voir ce que ça donne. Enfin, est-ce que je peux... Non, impossible de rentrer à l'intérieur. La tornade me force à ressortir. Enfin, en même temps, c'est un peu logique vu la taille de la tornade. On va prendre un petit peu de recul et on va voir ce que ça donne. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, ça donne une grosse cheminée. Mais bon, c'est quand même terrifiant et hallucinant de voir ça. Regardez, on va faire un truc. C'est que je vais mettre les orages en même temps. On va voir si je peux mettre ça. Hop, on va mettre... les orages en même temps. Ah bah alors là, si vous me dites que c'est pas trop réaliste, ah bah là c'est pire que réaliste. Là normalement il y a les éclairs et le tonnerre qui vont arriver. Théoriquement il y en a. Normalement il devrait y en avoir vu que j'ai mis le mode qui nous permet d'avoir des éclairs et des tonnerres. On va voir avec des éclairs et du tonnerre si ça pourrait bien passer. Avec la tornade, déjà elle est toute noire. Ça fait vraiment flipper, c'est vraiment stylé. Avec les éclairs et tout, oh là là. C'est encore pire. C'est tellement bien fait. C'est hallucinant. Je vais me poser juste à côté. Et je vais essayer d'aller en dessous, mais à pied. Tu te calmes, s'il te plaît, ma jolie. Tu te calmes avec mon hélicoptère. On va essayer de passer en dessous. Non! Avec le parachute, je sens qu'elle va m'envoler. Non, c'est bon? Ok, c'est bon. Je suis là. Donc là, je suis en dessous. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça fait quelque chose quand je suis en dessous de la tornade? Non. Enfin, je peux même pas monter, en fait. En fait, c'est comme s'il y avait un mur. Regardez, je peux pas monter. Je suis quasiment bloqué. Je suis bloqué, en fait. Hein. Non! Eh! Mais s'il vous plaît! Mais je suis carrément au centre de la tornade, en plus.
C'est assez bien fait. Attendez, je vais me téléporter juste à côté. On va se téléporter, je sais pas. Voilà, on va se téléporter ici. Hop, là, téléporter, Wimpanta. Et regardez la tornade vue de loin, c'est juste hallucinant, c'est trop trop beau. Imaginez un peu cette chose arriver sur GTA Online. Je pense qu'il y a vraiment moyen de le faire. Bon, après, elle apparaîtrait pas tout le temps, mais de temps en temps, à des moments très particuliers, ça pourrait vraiment être stylé, une tornade qui puisse nous tuer et tout. Voilà, regardez un peu tous les véhicules qui sont en train de s'envoler. Ah, la tornade, elle arrive! Laissez-moi tranquille! Oh là là! Ah! Elle m'emporte! Elle m'emporte! Ah, dans mes oreilles, c'est comme si j'étais vraiment dans la tornade, quoi. Ça fait des bruits d'explosion, ça fait un bruit assez assourdissant dans les oreilles, c'est assez incroyable. Bah écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je peux pas faire plus avec la tornade, à part vous la montrer sous différentes formes, ce que j'ai pu faire. J'espère vraiment en tout cas que cette petite vidéo vous aura quand même plu, que cette vidéo vous aura fait plaisir. Vous n'hésitez vraiment pas à me donner vos avis dans l'espace commentaire. Est-ce que vous aimeriez avoir une tornade sur GTA V? Vous lâchez un petit like, un petit partage et vous abonnez à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye. Bye tout le monde.